Vous m'entendez toujours? Ok. Oui, madame. D'accord. Donc, voilà, on a le petit exemple. Donc, on a par exemple, donc là, c'est l'exemple, mais à côté, je voulais donc vous dire aussi qu'il y a des applications. Donc, Android, j'imagine que vous le savez, vous êtes une génération in, il y a pas mal d'applications qui vous permettent de scanner toute composition, qu'il y ait des applications destinées aux produits cosmétiques ou qu'il y ait des applications pour les produits alimentaires. D'accord? Donc, vous téléchargez. Vous téléchargez l'application, vous scannez n'importe quelle composition. Il y en a qui scannent les codes à barre. Ça ne concerne pas une très large gamme de produits. Ou il y en a qui vous permettent de scanner la composition. Il vous fait le scan, il vous fait l'analyse et il vous fait le classement des substances. Il y a comme badou il classe donc en code couleur. Donc, il y a le vert, il y a l'orange, il y a le rouge. Le rouge, donc, c'est vraiment des substances très dangereuses. Par exemple, qu'est-ce que je vous ai mis? Par exemple, j'utilise, personnellement, j'utilise la Insee Beauty. Ce n'est pas de la pub. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple. J'utilise la Insee Beauty. Donc, vous scannez. Et ça vous donne, par exemple, non, c'est un produit bio, il est derrière. Hein. Donc, regardez comme le degré. En vert, par exemple, des petits smileys verts. Donc, c'est un produit, par exemple, bon. Là, c'est comme une notation sur 100. Là, 86 sur 100 pour cette crème. C'est un démaquillant bio. Donc, il l'a qualifié d'excellent. Donc, les PEG comme risque faible. Donc, il vous mentionne avec un petit commentaire et un code couleur. Risque faible. Là, on a les bromures de cétrimonium, risque faible aussi. Et quatre autres ingrédients. Donc, un point vert. Il fait la moyenne, par exemple, pour dire, donc, il n'y a pas de risque. Donc, ça peut vous aider. Hein. Parce que vous n'êtes pas censé, il y a tellement de molécules. Il y a tellement de dénominations et les industriels, franchement, jouent sur les codes ou les donc on peut pas. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, ces applications sont crédibles jusqu'à ce qu'il y ait firme. Voilà. Donc, on va passer aux cosmétiques traditionnels. Great. Voilà. Donc, on va passer à la cosmétologie traditionnelle. J'avais hésité, hein, parce que ça allait en faire un cours très détaillé. Donc, les cosmétiques traditionnels, je ne me suis pas trop étalée. C'est un chapitre à part. Mais là, je le cours à la zone. La cosmétologie traditionnelle, entre les croyances, ce qui est utilisé, c'est tout un autre monde. Donc, je rappelle comme déjà, la définition, en fait, c'est un produit composé de substances naturelles, c'est-à-dire à l'état naturel. Bassa, magounesh, naturel, magounesh, safe pour la santé. Donc, elles peuvent être issues donc, du règne végétal, animal ou la minérale, préparées essentiellement dans le cosmétique, donc par des transformations mécaniques, un broyage par exemple, chimique, primaire, tels que la distillation, l'extraction, des cuissons, filtration, fermentation et oxydation, une percolation. Des dessiccations et dont on reconnaît un usage traditionnel. Un biocosmétique, par contre, c'est quoi? Kif-kif, donc il désigne une famille de produits composés d'ingrédients naturels, donc qui a le produit alors, traditionnel, mais dans les règles de l'art. La composition Beina, l'éthos Bénin, l'origine, la traçabilité. Donc, comme des huiles végétales, des huiles essentielles, les eaux florales, en partie issues de l'agriculture biologique contrôlée. Il y a toujours le mot contrôlé. En fait, vous trouvez plein de logos, pas mal de logos sur les produits bio. C'est par exemple certifié bio, par exemple, Cosme Bio, Bio, je ne sais pas quoi. Et donc, les logos sur les produits cosmétiques donc, font référence à des certifications qui obéissent à une démarche qualité stricte.
Donc, elle appelle l'origine de cet ingrédient, ninja, comment elle a été modifiée, à quel taux il existe. Donc, ils doivent être autant que possible d'origine naturelle, les exigences, prioritairement issues de l'agriculture biologique contrôlée, sans OGM. Donc, bio, parce que culturellement, on pense que bio, c'est sans pesticides. Donc, la culture bio, biologique, c'est une culture donc, qui n'a pas subi des traitements phytosanitaires ou les pesticides, mais pas que. Sans OGM, exempt de conservateurs trop puissants, exempt de colorants et exempt de parfums de synthèse qui garent en parfumé par des huiles essentielles, par exemple. Non. Donc, je vous ai mis l'exemple, par exemple, l'éthanol. Comme conservateur, on a exempt, mais sans conservateur trop puissant, qui m'a les parabènes, le phénoxyéthanol et tout, c'est les conservateurs de synthèse. L'éthanol, donc, c'est un alcool naturel. L'alcool bio, donc, c'est un conservateur naturel qui est admis la cosmétologie bio, yakblo, et il est issu de la fermentation du blé, par exemple. Donc, il est accepté. Nous les cosmétiques traditionnels. Donc, ils sont issus du règne végétal, par exemple, tout ce qui est plante, à savoir le henna, des huiles végétales, les macérats végétaux, les cires végétales, les hydrolats. Mawar, par exemple, les huiles essentielles, ou la issue du règne animal, les ruches, les produits de ruches, les ruches d'abeilles, la cire d'abeilles, par exemple, donc c'est le règne animal, les œufs, le lait, le yaourt, tout ce qui est épices aussi, le règne végétal, le curcuma, donc il est très utilisé en cosmétologie, par exemple. Issue du règne minéral, règne minéral ou fille bad origine minérale ou la organique. Minéral, donc le creul. Le creul, c'est une pierre. La pierre d'Alain. La pierre d'Alain, écrivez-vous en commentaire. Madame, Oui. Oui. il y a plusieurs personnes que vous n'avez pas acceptées Ah, d'accord. encore. Ah, c'est bon. Ah, je m'excuse. Faut accepter les. Ah, je m'excuse. Donc, on disait, hey, que vous voulez en commentaire la pierre d'Alain, ou chez la pierre d'Alain. Est-ce que vous connaissez la pierre d'Alain? Voilà. Donc, c'est Cheb. Et est-ce que, donc, Cheb, oui, donc traditionnellement connu pour être un atolum antiperspirant. Antiperspirant, c'est pour dire, c'est le nom scientifique des déodorants en fait. Antiperspirant, mais c'est transpirant. Antiperspirant, donc la pierre d'Alain, Cheb aussi, utilisée justement pour voilà, stopper la transpiration. Et on a longtemps pensé donc que c'était inoffensif, que c'était safe pour la santé. Mais finalement, non. La pierre d'Alain contient des taux très très élevés d'aluminium, en aluminium. D'accord? Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce la chaux? Et d'origine organique, il y a l'argile. L'argile de toutes ses couleurs. La pierre noire. La pierre noire, c'est octobolioushesma. Donc, non, d'après les résultats du CAP, non, désolé. Hajra Saouda, très bien. C'est le Hajra Saouda.
Et elle est utilisée pour quoi faire? Je voulais pas vraiment je me suis un petit peu auto-freinée. Fait la cosméto traditionnelle parce que j'ai plein de photos, plein de cas cliniques, plein de résultats. L'objectif du cours. La cosméto traditionnelle, c'est vraiment tout un chapitre à part. Voilà, donc comme un tatouage sur la peau, mais aussi comme un pigment capillaire. كانوا يصبغوا به شعرهم ويحبوا يزيدوا لهم دي نيونس واحد اخرين مي كانوا يصبغوا به شعرهم ايلي دونك الحجره السوداء هذه elle contient le PPD le paraffinylène diamine et donc c'est une substance hautement allergène hautement irritante et carrément il y a justement parmi les substances une toxicité cutanée entre allergie irritation et des toxicités systémiques carrément une toxicité rénale et hématologique. Il faut faire très très attention à l'Hajra Saouda. On a un très beau cas clinique qui a été publié, franchement, avec des photos, c'est impressionnant. Voilà, pour colorer les cheveux, le harkos, exactement. Est-ce que vous connaissez Nila? Nila aussi, donc c'est un truc minéral, d'accord? C'est un cosmétique minéral. Nila, surtout, voilà, c'est une poudre. Nila, donc c'est une poudre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas en français. Alors, c'est une poudre bleue. Pour avoir la, voilà, c'est une poudre bleue, pierre, voilà, donc dure, voilà, sinon, haka broyant en poudre, pour colorer les cheveux en noir. Donc, ça donne le noir corbeau. Et très, très utilisé, donc, par les gens, ça, Sahara Tana, mais ailleurs aussi. Pour les gens là qui se mettent à la pigmentation, surtout les pigments capillaires, ça pose vraiment problème chez les femmes. Parce qu'une fois qu'elles commencent à utiliser les pigments capillaires ou les colorations, c'est fini. Donc, il y a certaines femmes qui, les réseaux sociaux, elles recommandent l'usage d'Anila. Mélanger le henna parce pour éviter le roux, t'as le henna, donc pour donner une nuance vers le noir. Donc, là, selon le CAP d'Alger, on a des résultats jusqu'à 2011. Là, ce sont les taux d'intoxication. En fait, c'est des rapports. Les taux d'intoxication par les cosmétiques traditionnels, tous cosmétiques confondus, hein, par rapport aux intoxications totales. Donc, au fait, c'était en ascension. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore une ascension après 2011. Parce que les gens, ils étaient de plus en plus avertis de la cosmétologie industrielle. Et donc, ils sont passés à l'auto-fabrication de leurs cosmétiques à la maison. Ou même culturellement, on utilise beaucoup de cosméto-fadar. Que ce soit pour la cire dépilatoire, ou la coloration des cheveux. Donc, c'était en perpétuelle ascension. Donc, on va parler de l'évaluation toxicologique. Voilà. Donc l'évaluation doit permettre de garantir une sécurité d'emploi et donc. J'ai pas compris. Alors, une utilisation paisible et sans risque des produits cosmétiques. Donc, on utilise des méthodes exposées dans les Notes of Guidance of Testing of Cosmetics, ou le SCCP. L'essentiel, c'est des guides internationaux pour l'évaluation. Et je vous rappelle donc que chez nous, l'évaluation des produits cosmétiques. L'évaluation des produits cosmétiques, donc, elle n'est pas encore faite. Il faut juste monter un dossier, il faut juste prouver que c'est. C'est pas toxique, pas ça pour le prouver. Donc il y a des tests sur les lapins, d'accord. Mais le contrôle dans les produits cosmétiques, que ce soit l'importation, les produits importés, voilà, les produits fabriqués localement, il n'est pas fait. Et d'ailleurs, parmi mes missions, c'est justement vous sensibiliser et c'est le rôle du pharmacien généraliste, ou la spécialiste en toxicologie, ou en chimie analytique, ou en chimie minérale, c'est-à-dire le pharmacien spécialiste ou la même généraliste. Donc, votre rôle, les entourent de mais chez le ministère de la Santé, donc le ministère du Commerce aussi.
Donc, il y a carrément donc, une commission, les habitants d'Arles faire les toxicologues ou les pharmaciens de toutes spécialités confondues, justement pour intégrer, pour étudier le dossier des cosmétiques, des produits cosmétiques, parce que ça fait des ravages entre l'obligation de la déclaration et l'obligation du contrôle. Ça, c'est la jupe. Et entre contrefaçon et tout. Donc, on a dit brièvement à les méthodes d'évaluation selon donc, les recommandations internationales. Donc, c'est des tests requis donc, pour identifier la toxicité aiguë, la tolérance locale, test d'irritation, corrosion cutanée oculaire. Donc, on a certains tests qu'on fait non, au niveau de notre labo toxico. Leur potentiel sensibilisant, l'absorption cutanée, les tests d'absorption. Non, personnellement, on ne fait pas les tests d'absorption. La toxicité lors de l'application répétée, c'est-à-dire donc qu'il y a une toxicité aiguë ou qu'il y a une application répétée. Les potentiels mutagènes génotoxiques cancérigènes, donc c'est les tests de mutagenèse, mais qui ne sont pas spécifiques les cosmétiques. Toute substance, il y a une, l'étude de la mutagénicité d'une substance. Les propriétés toxico-cinétiques, les effets photo-induits, comme au niveau international. Et sont également prises en compte les données chez l'homme, si elles sont disponibles, entre la cosmétovigilance ou la toxicovigilance, s'il y a des antécédents et tout, des accidents, les pharaons. Voilà, donc ils sont interdits, les tests Hadouma, donc ils ne sont pas évalués sur l'homme, je ne prends pas d'accord, depuis 2009, pour les études toxicité à long terme. Notre les tests directement. Donc, on a le test de tolérance cutanée, le prédiskin. Prédis, c'est pour prédiction, d'accord? Et skin pour peau, en anglais. Donc, c'est une méthode permettant d'évaluer le potentiel irritant d'un produit. Donc, c'est une culture, c'est un épiderme reconstitué, on l'a désimplanté à la peau. Donc, ils sont incubés, par exemple. Il faut un produit spécial. Donc, si le produit, il pénètre. En fait, c'est un produit révélateur. Donc, une fois le cosmétique en question, là, la substance en question à étudier avec un révélateur coloré, ah ben, s'il pénètre, c'est qu'il est irritant. C'est qu'il a eu voilà, une action irritante et corrosive sur la peau, sur les cellules de la peau. Donc, il m'a dit qu'on va dire qu'il chauffe le degré. Regardez, là, c'est une question de concentration. Là, le test BCOP, Bovine Corneal Opacity and Permeability, donc sur l'œil de bœuf. Donc, c'est pour l'irritation oculaire. Donc, c'est le même principe. J'ai boule l'œil de bœuf, donc le montage de la cornée, application du produit, ou chauffe l'opacité. Et donc, plus c'est opaque, plus c'est irritant. Chauffe le degré de t'as la coloration. Et là, test de kif-kif, tolérance oculaire, le head cam test. Le head cam test, on a pu le faire ici chez nous. Il y a eu un mémoire qui a été encadré dans ce sens. À Constantine aussi, on le fait. Donc, c'est des œufs fécondés. Donc, la condition, un œuf fécondé le jour même. Mais si l'œuf, les œufs, dans la consommation, les œufs qui donnent des poulets de chair. Donc, c'est la difficulté pour le test. Donc, un œuf fécondé le jour même. Donc, en laboratoire, on reproduit le couvage. Donc, on fait une étuve à 37 degrés. Donc, on reproduit la poule. On applique le produit, la membrane qui se produit, parce qu'une fois donc l'œuf couvé, en fait, il prépare le coussin. Donc, il y a des vaisseaux qui se forment. Et de la membrane se forme au bout de 10 jours. Là, on retire de l'étuve, on applique le produit, on chauffe en fait, de la membrane, elle est très semblable, juste c'est pour ça. Donc, elle est très comparable une des membranes oculaires, justement, et la rétine. Donc, l'application, les irritations observées donc, peuvent être extrapolées à l'homme. La membrane, le MCA, c'est la membrane chorio-allantoïdienne. Donc, c'est la membrane qui se forme ici, il y a son microscope. Donc, c'est une membrane où il y a les vaisseaux qui se forment. Il y a quand même des autres allées, un petit peu, 21 jours, je ne me rappelle pas, pour que le poussin se forme. Donc, ça vous donnera un poussin. Non, donc, on arrête à 10 jours. Ce qui nous importe, c'est cette membrane. En bas, ils appliquent le produit. Donc, vu que c'est un test oculaire, donc c'est pas la peine de tester
نقول لكم انايا فو فريمون تيستي دي برودوي كوزميتيك با لا بين دو تيستي ان فيرنيا اونغل فرانشمون يدير كي لي با ايريتون اوكولير تيستي ان شامبوان كريم هيدراتون تاع ماسكارا هنا تيست دو توليرانس كوتاني سكينيتيك دونك هادو ما يهمكمش في الاسامي هادو L'essentiel, c'est des gens qui évitent, ils ont tout fait pour éviter les tests sur les animaux, pour respecter l'éthique. Donc, c'est des tests in vitro. Donc, c'est des reproductions. C'est une reproduction, donc c'est des cultures cellulaires. Donc, ils sont réalisés sur épiderme humain reconstitué. Voilà, obtenu à partir de kératinocytes. Ils jubent les kératinocytes humains, et ils déroulent la multiplication, ils appliquent le produit. Kif-kif, c'est des tests d'opacité, ils chauffent l'intensité de la coloration, tout simplement. Kif-kif, au rouge neutre. Ada, la même chose. Méthode officielle d'évaluation du potentiel irritant par application directe sur monocouche de fibroblastes de la cornée du lapin. Vous pouvez poser toutes vos questions. Hein. Moi, si je fais vite, c'est Bushin Ferham comme le principe en général. Comme je fais les détails, Bushin Ferham, ce qui se passe ailleurs, ou comme tu as un stage, ou tu as fait comment ça se passe. Là, chez nous, on fait des tests encore sur des lapins. Vous pouvez dire qu'on ne respecte pas l'éthique, mais ça reste une méthode officielle. C'est une méthode officielle. Donc, c'est des lapins de laboratoire. On rase la partie. On rase une petite partie pour dégager la peau. On applique le produit ADEC pour tester la toxicité aiguë. On dérouche la toxicité chronique. On chauffe l'étendue de l'irritation. Attends le test de Drive. Et voilà. Donc, là, je vais vous donner en bonus. Je vais vous donner les groupes importants d'ingrédients cosmétiques et leur rôle. Je vous donne la composition générale. À part le principe actif, il y a les adjuvants, il y a les colorants, il y a les conservateurs. Donc, à chaque fois, je vous ai mis donc, des petits exemples. Astringent, par exemple, l'acide tannique, l'alun, les composés de bismuth. L'antigraisse, donc c'est pour les cheveux gras, il y a surtout les composés organiques du soufre, c'est un dégraissant, l'orisulfate et tout. Antisudation, antiperspirant, c'est des. En fait, les antiperspirants, il y a ceux qui bloquent les pores, qui bloquent la transpiration, ils sont très mauvais parce que la transpiration, c'est un équilibre. Donc, très tôt, vous interférez avec l'équilibre de l'organisme, ils sont dangereux. Ok, ce qui améliore l'odeur, d'accord, sans pour autant bloquer les pores. Bloquer les pores, c'est pas bon. Donc, il y a les tanins, les hydrochlorures d'aluminium surtout. L'aluminium, il y a ce qui fait remplacer. Ouais. Darbomen, il est excellent. Il est un excellent antiperspirant. Alors, je retourne. Alors, vous testez sur les animaux. Oui, on fait des tests sur les animaux. Voilà, on fait des tests sur les animaux. Acceptez mes collègues. Ah, désolée. Parce que vous en êtes à la fin du cours, même. C'est bon. Donc là, comme il reste quelques minutes, vous pouvez poser toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Donc, pour répondre à la question, donc là, chez nous, donc, on va dérouler les tests sur les animaux, tests d'irritation sur lapin. Le head cam test aussi, ou Shibark, le souci, c'est les œufs. Il faut vraiment trouver ailleurs des. Parce qu'il faut des animaleries pour faire ce genre de test. Donc, pour les œufs fécondés le jour même, on galère. Il faut vraiment le fournisseur. Il faut vraiment féconder le jour même. Shibark, féconder le jour même, les amis, vraiment le fermier, Shibark, très bien. Parce que sinon, on rate la fermentation, la fécondation. Parce que sinon, l'œuf, il moute, le kifsid. Il y a beaucoup de pertes. Donc, sinon, le head cam test, les tests d'irritation oculaire, les tests sur lapin. On est en train de monter des techniques donc, pour la recherche des parabènes, mais au moins recherche qualitative, surtout pour les produits déclarant absence de parabènes. Mais la recherche quantitative, il faut vraiment des techniques très poussées. Et qu'est-ce qu'on fait? Et le taux d'alcool. Et surtout, il faut mettre corona et tout, le taux de l'alcool. Gel hydroalcoolique parce qu'il faut que ça soit à 70%, sinon c'est pas efficace contre les virus. Allez, les tests qu'on fait concernant les produits cosmétiques. Là, par exemple, d'autres colorants, les rôles, mais à côté,
faut avoir la liste des produits autorisés. Kima قلت لكم قبيله لازم نتوما تعملوا votre propre contrôle. Les produits que vous consommez ne sont pas contrôlés, d'accord? Donc vous pouvez télécharger hadouk les annexes ou tchoufou ce qui est autorisé, ce qui n'est pas. Au moins la liste négative, les produits vraiment interdits. Et voilà. Et sinon, donc avant de partir, avant de terminer, que pensez-vous? Que pensez-vous des cosmétiques bio? Est-ce que vous vous intéressez à ça? Est-ce que tu as l'emballage avant d'acheter ou la tchiri ou barak? Est-ce que vous cherchez un ingrédient ou la ce que vous voulez? Votre critère de choix qui tchiri ou le produit qui trouve pour acheter votre produit cosmétique. Votre critère de choix, s'il vous plaît. Aïe. Les expériences des autres. Donc, il faut éviter hein, ce qui marche pour certains, surtout au côté sensibilisant. Après, la biarfroh aussi. Si la kentaferok a un terrain allergique, il ne faut pas suivre. La marque. La marque aussi, oui, très bien. Très bonne remarque. Il y a beaucoup d'articles. Justement, elle n'est pas plus tard que la semaine passée. Justement, elle m'a avec une copine. Donc, Anna, elle prépare son trousseau pour le bébé. Et Anna, j'achète les produits Mustela. Goutla, tu sais, justement, ce n'est pas une question de marque. Bekri, la marque, il n'y a pas la contrefaçon. Le parfum n'est pas ouel pour la marque et tout. Ça, la marque, ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas nocifs pour la santé. Alors là, pour les bébés. Donc, vous serez prochainement maman et parents. Moi, je vous le dis, il faut vraiment être exigeant côté. Il faut mettre bouche la marque pour les produits bébés. D'accord? Donc, c'est bon, vous avez les applications, vous scannez ou tout. Faut minimaliser, utiliser le minimum de produits cosmétiques possible. Et si vous avez yani, le choix, les produits les plus sains possibles. Alors, je vous dis la vie des autres, le plus naturel possible. J'évite les produits 100% chimiques. Oui, naturel possible, qui m'a aussi. Donc, un savon de Marseille, quand on peut s'en passer, par exemple, pour la toilette du bébé, un savon de Marseille et de l'eau, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Sans parabène. Et on fait cool que m'aider sans paraben. Ils m'ont mis de bois. Qui chauffe les nains, ça a dû y avoir les paraben. Ils font tout sans paraben. Le paraben, c'est un conservateur. Le plus important pour lui, c'est de conserver son produit. Oui, avec le temps, on apprend à connaître son type de peau, son type de cheveux. Mais je vais vous dire, il faut à côté. Il faut vraiment les influenceurs, les blogueurs, l'expérience des autres. Mais laisse toujours votre propre jugement. Kima lyoum ta'lamt bli les huiles essentielles, c'est pas anodin. Istamlou bzaf en cosmétologie bio. Hein. Pour le moment, si c'est bio, c'est vraiment certifié, il n'y a pas de souci. Bessah, à ne pas, je vous déconseille d'utiliser ça à tort et à travers. Oui. Voilà, les masques naturels, pour le moment, les produits naturels, parce que j'ai hésité à mettre un tableau comparant produits naturels, produits traditionnels et produits bio. Donc, les meilleurs, c'est les bio. Un produit bio, il est forcément naturel. Un produit traditionnel n'est pas forcément naturel. Il n'est pas contrôlé. Il n'est pas stable dans le temps. Et même le henna. Le henna, premièrement, il y a des adjuvants. Il y a des additifs pour faire les nuances à la couleur. Et puis, il y a des origines. Comme les végétaux, selon le climat, selon le sol et tout, ils concentrent ou la déconcentrent le principe actif. Et le henna, elle est connue comme étant allergène. Voilà, mais sinon, bon, il y a certains produits, les veinines, donc un œuf, ça peut pas être très nocif. Ou la haka, un yaourt nature, du miel, par exemple. Quand c'est. Mais, la bouche, vous avez les recettes. Voilà. Bah, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Et attendez, j'ai acheté une crème hydratante, la marque Midork après c'est cool. Allez, oui, Midork à trois fois, vous téléchargez des applications. Bon, moi personnellement, comme j'utilise Insi Beauty, mais Kane Yuka aussi, elle est pas mal, elle est très bien Yuka. Voilà, c'est bon, donc, la conscience, vous devez apporter votre propre jugement. D'autant plus que vous avez un rôle dans la sensibilisation des autres. Et surtout, tenez un conseil. Être conscient, mais évitez tout suisse. Votre critère de jugement.
Donc, un vernis semi-permanent, Mnindek, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des gens qui vraiment qui laissent pas leurs ongles respirer. Les vernis semi-permanents ou permanents, d'accord? On a, donc, vous prolongez l'exposition. Il faut vraiment repenser au problème des vernis. Hein? D'accord? Donc, c'est une question de dose, une question d'exposition. Ah oui, oui, oui. C'est une question d'exposition. Un fond de teint. Ou Tani, il faut mettre l'accent. Donc, tchoufou, les produits litaoulou. Un parfum, on peut, par exemple, ne pas s'aventurer à le mettre directement sur la peau. Les produits, les fonds de teint, les crèmes hydratantes. Donc, il faut faire attention avec les produits qui sont en contact prolongé avec la peau. Mais, hakam, l'index, l'ochrine, c'est pas si mal que ça. Et ça reste une question d'équilibre dans tous les cas. Ou chez vous, est-ce normal? Qu'est-ce qui est normal? Ah, il y a la dernière question. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? Merci. iPhone 11 Pro. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Allez, au revoir.